Hello mes classiques et bienvenue sur ma chaîne, je suis Gimmy, je suis grave contente de pouvoir vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi comment je me suis apprêtée pour ma fête de fiançailles, ou plutôt mes fiançailles traditionnelles. Donc c'était au mois de février, hein. Aujourd'hui on est dans le confinement chez nous et donc du coup c'est le moment de sortir toutes mes vidéos qui sont archi en retard. Et donc voilà, j'en profite, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous l'aurez compris, on va commencer avec le bain d'huile de la marque Hermésine. Donc c'est l'huile capillaire à base de moringa, baobab, ricin et avocat. Que des huiles que mes cheveux apprécient beaucoup. Et je vais laisser ça poser pendant une demi-heure sous une charlotte en plastique. On passe au shampoing solide, donc le shampoing à base de rasoul, shikakai, gombo et de ortie. Est un shampoing qui est solide, donc on peut le casser un petit bout pour pouvoir l'utiliser. Il mousse très bien, très facilement. Vous pouvez utiliser votre main pour bien masser votre cuir chevelu pour enlever toutes les saletés, ou alors en option la brosse massante. Ensuite, passons à l'après-shampoing à base de moringa, gombo, karité et ortie. Donc il va pouvoir m'aider à démêler mes cheveux avec mes doigts tranquillement. En profondeur. Ensuite, pour pouvoir bien poser l'après-shampoing, je vais le rincer au bout de 5 minutes après avoir démêlé mes cheveux. Pour les sécher, j'applique la serviette en microfibre de chez Nadella. Passons à l'hydratation des cheveux. Donc il y a un spray, un lait, une crème. Moi je vais utiliser le spray juste pour hydrater un petit peu. La crème parce que l'adhérence est meilleure je trouve par rapport au lait. Donc je vais l'appliquer sur mes longueurs. C'est à base de aloe vera, karité, amla, moringa, eau de rose aussi. Très facile pour démêler les cheveux. Et pour sceller le tout, je vais appliquer le sérum à base d'argan, jojoba et ricin. Comme ça l'hydratation elle est calée. Passons au séchage avec la brosse démêlante de chez Revlon qui permet de pouvoir sécher les cheveux à l'air froid. Donc vous avez les options hein, de chaleur intense, chaleur médium et air froid. Ce qui permet de faire bien adhérer les produits que j'ai utilisés auparavant. Hello tout le monde, donc là on va commencer ma coiffure. Finalement je vais faire un chignon bas mais qui sera bien volumineux et tout. C'est rare que je laisse quelqu'un me faire mes chignons, mais du coup cette fois-ci je vais laisser David s'en occuper. Oui papa. Mes amis, mais nous on est en train de se coiffer là. En plus je filme. Attends les petits là vous êtes forts hein. C'est attends, moi je me disais et tout, vas-y, le iPhone et tout, ça va, c'est... Et là... Il se passe quelque chose. C'est un autre level. Attends. Merci à Dafcar de m'avoir aidé. Et oui, ma mise en beauté est terminée. Non, il n'y a pas de maquillage à la clé parce que je ne me maquille pas dans la vraie vie. Donc je ne vois pas pourquoi je me maquille pour le plus beau jour de ma vie. Et stop, oui je stop parce que une femme belle, c'est une femme qui a confiance en elle et qui se fait belle, pas pour le regard des autres. Alors pour la tenue, j'ai à remercier Kadim Couture. Effectivement, oui les filles, je n'ai pas mis de gaine parce que c'était soit le choix de ne pas respirer ou alors de stresser parce que la gaine allait rouler. Donc j'ai préféré l'enlever, tout simplement. Mais je me sens magnifique comme ça. Voilà, la tenue par Kadim, le sac de Topshop, les chaussures, je les avais achetées chez Amazon, les accessoires de coiffure chez Lovisa. Tous les produits, accessoires que j'ai cités, les lieux aussi et les adresses sont dans la barre de description ainsi que les infos. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ça y est, on est enfin fiancés, ouais!